Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très très content parce que c'est le retour des cyclovlogs. Alors cette fois-ci, je vais tester un scooter. Eh oui, c'est même pas un scooter, c'est encore mieux. C'est un Peugeot 103 RCX et vous allez voir, c'est trop kiffant à conduire. Alors, avant que la vidéo commence aussi, je suis désolé pour le son radio russe. Voilà, vous allez peut-être avoir mal aux oreilles, mais désolé parce que j'ai pas pu mieux faire. Du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux pour éviter trop que ça grésille, mais j'ai pas pu. Alors, devant moi, il y a un scooter entre guillemets. Non, ça s'appelle pas du tout un scooter. Salut toi. Ouais, tu dis pas bonjour toi. Tu dis pas bonjour aux youtubeurs. Bon, ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup je refais une vidéo scooter vlog, du coup, enfin cycle vlog comme je les appelle. Mais je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien, enfin je l'espère parce que sinon. Du coup là, une direction, tester son. C'est pas un scooter. Alors je sais pas où même là par contre. Regardez-moi ses virages comme ils sont trop bien, regardez. Toujours son virage, très important. Regardez aussi la route, anticiper. Go tester son petit truc. Et puis bah, je vous rejoins dans quelques minutes. Bon du coup, nous voilà avec Dylan. Salut Dylan. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Alors c'est quoi comme scooter? Moi je dis scooter mais c'est pas du ouais, tout ça. C'est une mobilette, c'est un Peugeot 103 RCX. Bah, la mienne elle est de 1997. Si tu veux bien nous la présenter, genre ce que t'as modifié, etc. Bah de base on l'avait acheté. Cher et on l'a refaite entièrement, tout d'origine. Et ce que j'ai changé dessus, c'était. Bon, on a presque tout changé dessus, parce que j'ai avec des couilles avec. Enfin, ouais. Des pépins. C'est top à rouler en tout cas. C'est comme un vélo, c'est facile. Hein. Ouais. La position de conduite, je sais que. Enfin, on va tester juste après, là, dans ce petit virage. Mais je sais que j'aime pas trop, enfin, parce que j'ai testé une fois, mais pas en vidéo. Du coup, voilà, Dylan va me le faire essayer. Bon, bah, du coup, c'est parti. Hein. Bon, bah, on va essayer ça, c'est parti. Elle va pas caler là? Normalement non. Elle est réglée pour. Alors c'est parti. Je flippe mais Zef, faut que je fasse gaffe avec les lacets moi. Bon là c'est parti hein. Wow. Wow, c'est trop bien. Mais putain, mais il avance trop bien ce truc. Bon alors c'est parti. Allez c'est parti, top speed. Wow, la puissance. J'ai trop peur. Oh là là. Wow. Quel virage! Ah, j'ai flippé! Je flippe à sa mère là! Wouah! Mais c'est puissant ça! Ah, mais ouais, je flippe hein! Enfin, c'est peut-être avec la position de conduite après, tu vois. C'est vraiment différent. Le bruit que ça fait, c'est abusé. Waouh, la puissance. Et moi j'ai pas un fond hein. C'est fou mais... ouais, c'est trop bien. J'ai pas vite là mais parce que je me suis dessus Waouh. Attends, là, je vais faire des tours là. Merde. Wow. Vous êtes prêts? Je sais. C'est vraiment trop bien, genre la puissance qu'il y a. Écoutez le bruit en plus, c'est abusé. Ce bruit est abusé. Écoutez-moi ça. Wow, je suis à fond là, je pense. Je sais pas combien je suis, mais j'ai peur. Je suis à presque à 70 là. Enfin, je pense. Hein. Ouais, le bruit que ça fait par contre. Aïe. Waouh. Voilà la puissance est abusée hein. Et le bruit par contre c'est abusé aussi. Il faut juste de tourner à un moment. On va
essayer de faire une ligne droite, c'est parti. Ouais. C'est un peu du mal à démarrer, mais ça va, hein, ça démarre bien après. Mais je vous jure, en première moto, au premier sein, hein, c'est trop bien. Ouais, c'est... Parce qu'on n'est pas barré dans les virages. Hein. Waouh! C'est quoi ça? J'ai fait un mini de l'âge, c'est quoi ça? Oh, le bruit que ça fait! Oh là là, ça tremble en plus là, gros! Ça se voit, c'est de la vieille mécanique! Hein. La tenue, enfin, genre comment on est conduit, enfin, comment on conduit ça, c'est vraiment différent, genre. C'est abusé comment c'est différent, genre. T'es comme ça là. Ah, tu sens bien les sensations là. C'est abusé. Même Dylan est choqué de loin. Qu'est-ce qu'il y a? Dylan, t'étais choqué de loin. Bon, mais ouais. Alors déjà le bruit, hein, c'est complètement différent. Oh, le confort aussi. Hein. Genre niveau suspension, en fait il y a moins de vibration et tout. Bon. Du coup c'est parti. Wow, l'accélération est abusée. Et je vous dis niveau confort entre guillemets, waouh, il y a une sacrée différence. Entre l'autre qui tremble à fond et ça bah, c'était sur un tapis là, mais c'est tellement différent, et même là niveau conduite, enfin moi je suis plus à l'aise comme ça, mais ah, c'est incroyable. Ah, la différence. Et par contre t'as moins de sensations avec ce scooter là qu'avec celui à Dylan même, parce que regardez moi cette Ferrari là, regardez, il y a moins de sensations de conduite, hein. Ah. Tes pronostics, ça va plus vite avec le tien. Quoi? Ça va plus vite avec ton scooter. Ça va plus vite, mais t'as moins de sensations. Oui, bah. C'est un truc de fou. Non, mais c'est une utilisation différente. Genre, si t'as envie de rouler et tout, bah tu prends ça. Si t'as envie bah, juste d'aller à ton travail, bah prends ça. Voilà, voilà. C'était notre réflexion du jour. Bon, alors, mes impressions. Alors, tout d'abord, trop cool. C'est vraiment différent qu'un scooter. Si vous avez envie de vous amuser, prenez ça. Alors, il y a des petits détails, bien sûr, à retenir. C'est l'entretien. Si vous touchez pas trop à la mécanique, prenez un scooter, ça sera plus simple. Alors après, je sais pas si ça dépend du modèle que j'ai essayé. Du coup, bah, je dis ça parce qu'on a eu plein de merde sur sa mob. N'oubliez pas que c'est ancien, du coup, bah, la mécanique, ça date un peu. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux une calotte, c'est ça? Ouais, ouais, mieux. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Et merci à Dylan de m'avoir prêté sa mob pour que je la teste et sa GoPro.